Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat, Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Chaim Ben Amasim Chazara, Batmazal Topchich Bortich, Yaakov Ben Blanche, Hadjadj, et Chaim Ben Yehou Ben Shalom Nouski. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perek Zayin Mishnah Dalet. Haomer la Chavero, Chatzisader, Nimocher Lecha, Meshamlin Ben Ayem, Venotel Chatzisadeu. Chetzia Badarom, Animocher Lecha, Meshamlin Ben Ayem, Venotel Chetzia Badarom. והוא מקבל עליו מקום הגדר חריץ ובן חריץ וכמה הוא חריץ? שישה טפחים ובן חריץ? שלושה On commence, on est en traduction, on explique ensuite. « Aomer la chavero chatsi sadeh ani mocher lecha » Celui qui dit à son ami « Je te vends la moitié du champ » Il y a un champ spécial, on fait référence à un champ particulier et il lui dit « Je te vends la moitié du champ » Meshamnin beneyem venotel chatzisadeu. On évaluera, là, on fera une estimation de bien, on évaluera la valeur du champ et on lui donnera la moitié de sa valeur. De quoi on parle exactement? On a déjà évoqué déjà depuis Baba Kama, on a eu l'occasion d'en parler déjà, qu'il y a différentes qualités de terre, des terres plus fertiles, mieux exposées au soleil, d'accord, plusieurs facteurs qui font que une même parcelle de 100 mètres carrés n'a pas toujours la même valeur. Ça peut aller même du simple au double, au triple même parfois. Et alors, on se retrouve maintenant dans un champ qui fait par exemple 100 mètres carrés, je ne sais pas si c'est une bonne mesure de champ, d'accord, 1000 mètres carrés, et il coûte 100 000 shekels pour les 1000 mètres carrés. Maintenant, dans ces 1000 mètres carrés, il y a à l'intérieur 300 mètres carrés qui coûte en réalité 50 000, et les 70 autres, les 700 autres, qui coûtent eux aussi 50 000. D'accord? C'est clair? Encore une fois, selon la valeur, on a un champ qui vaut 100 000, il fait 1000 mètres carrés, donc chaque, en théorie, ça devrait être chaque mètre 100. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, non. Il y a 300 mètres carrés qui sont d'excellente qualité, de terre super fertile, on laisse tomber une petite graine et ça nous fait passer un, ça nous fait pousser un, tout un petit arbuste. Et donc, cette terre-là, spécialement, sur 300 mètres carrés, elle fait déjà les 100 000, elle fait déjà les 50 000, la moitié de la valeur, et les 700 autres mètres carrés, eux, ils font les deuxièmes autres 50 000. Alors la question maintenant est de savoir, lorsque je vous ai dit que je vous vends la moitié du champ, quelle était mon intention? À la corde, à la taille, à la mesure ou à la valeur? La Mishnah nous dit, jusqu'à preuve du contraire, tu vas faire comme ça. Tu vas évaluer la moitié, c'est-à-dire tu vas évaluer la valeur du champ, tu calcules la moitié, et puis après, tu as libre choix de lui donner même la partie de moins, la parcelle de moins bonne qualité. Donc tu pourras lui donner les 700 mètres carrés, pour rester sur mon exemple, tu lui donneras les 700 mètres carrés. Pour quelle raison? Ça découle de la fameuse règle de « Amotsi mechavero ala averaya », celui qui vient réclamer, faire sortir quelque chose, à lui de rapporter des preuves, mais là, ça peut être exprimé de manière plus simple. Lorsque deux parties sont engagées, et que le vendeur peut accomplir sa part en donnant le strict minimum, pourquoi veux-tu qu'il te donne plus que le strict minimum? C'est-à-dire, on a dit que je te vends la moitié d'un champ, attrape de toutes les manières, qu'est-ce que tu pourras inclure dans mes mots, la moitié du champ? La moitié du champ, ça va être la moitié de la valeur du champ en te donnant la parcelle la moins agréable, et donc je m'acquitte avec ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je t'ai vendu. D'accord? C'est le principe. Maintenant, suite de la Mishnah, il va dire « Chetziya badarom ani mocher lecha ». Il lui précise « Je te vends la moitié du sud ». Alors la Mishnah nous enseigne de nouveau « Meshamnin beneyem venotel chetziya badarom » On évaluera, alors il dit « Je te vends la moitié au sud ». Et bien qu'est-ce qu'on fera? Figurez-vous, on ne va pas couper le champ dans la largeur en lui donnant la partie du sud, non. On va d'abord évaluer la moitié du sud. On va couper le champ en deux et on va aller évaluer la moitié du sud. Et on va dire, mon intention était de te vendre la valeur de la partie du sud, mais cette même valeur, je te la donne de partout. Donc, si on va se retrouver, si la moitié, pour rester sur l'exemple, il va lui donner donc maintenant 500 mètres carrés. On va d'abord calculer 500 mètres carrés de la partie du sud, que ce soit de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité. On va dire, ben voilà, maintenant les 500 mètres carrés, ça a une, on va estimer que ça va coûter soit 60 000, soit 40 000. Mais ensuite, je te les donnerai les 60 ou 40 000. Je choisirai la partie la moins agréable du champ pour te la donner et je serai en droit de le faire. Ça s'appelle que je te donnais la valeur de la moitié du sud. D'accord? Ce sera expliqué ensuite dans la Torah.
Et on passe maintenant à une suite de la Mishnah maintenant. De manière générale, chaque fois que je vends un champ à quelqu'un, et qu'on va rester finalement, on va rester tous les deux mitoyens, alors la Mishnah nous enseigne, Vehu mekabel alav, mekom agader, celui qui prend, qui achète le champ, devra ensuite me céder une petite parcelle du champ qu'il a reçu pour faire le makom geder, charitz ou ben charitz. Trois choses. Mettre une barrière, faire une petite fosse, et aussi un ben charitz, encore une deuxième fosse. De quoi on parle exactement? C'est simple. C'est comme si vous avez déjà vu les châteaux fortifiés, comment ça se passait. Autour du château, pour que l'ennemi ne puisse pas approcher les remparts du château, on creusait là-bas des fosses, des douves, on remplissait d'eau, et comme ça l'ennemi ne pouvait pas s'approcher de trop près pour pouvoir sauter et assaillir et pénétrer dans la ville. D'accord ? Pénétrer dans le château, peu importe, c'est le même principe. Là, autour du champ, le gros ennemi des agriculteurs de l'époque, c'était l'anémia. On l'a déjà évoqué dans le Perek Bet. L'anémia, c'est la mangouste. Elle, c'est une sorte de rongeur qui pénètre et qui fait des ravages dans les champs. Et pour éviter qu'elle puisse entrer, il faut lui prévoir. Alors c'est compliqué pour vous. Si on lui mettait juste une barrière, elle pourrait grimper sur la barrière et redescendre de l'autre côté. Donc il faut l'empêcher d'atteindre la barrière. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'empêcher d'atteindre la barrière? Il faut en théorie l'empêcher qu'elle puisse sauter et atteindre le pied du mur. D'accord? Donc il va falloir creuser une première fosse. Maintenant, quelle fosse creuser? On a un problème. C'est que si on creuse une fosse, elle sait sauter sur une distance de, disons, plus de 4 tfachim. Plus de 40 cm, elle n'a aucun problème de franchir. Attendez, j'ai un petit problème, juste sur les tailles. Je vais mettre grave. Ah bah c'est la Mishnah qu'on les dirait, en tfachim. En parlant de tfachim, je suis un peu étonné, parce que quand même, en tout cas, l'anémia, ce petit rongeur, il sait sauter, disons, très facilement 40 cm. Même 40 cm, il sait les sauter très bien. Mais 60 cm, il sait pas bien le sauter. D'accord? On retient les mesures. Je dis 10 cm, je traduis le tefar, d'accord? Le point, en réalité, c'est 9 cm, 8 cm, 9,6. On arrondit ça à 10 cm, d'accord? Donc, si je lui mettais maintenant une fosse de 60 cm, en théorie, elle ne peut plus sauter depuis le bord de la fosse pour atteindre le mur. Le problème, il est qu'elle va pouvoir tomber dans la fosse et sauter depuis là-bas. Donc il faut lui mettre une fosse plus étroite. Maintenant, si on met une fosse plus étroite, le problème il est qu'elle va pouvoir sauter sans pénétrer par la fosse, elle va pouvoir sauter et atteindre directement dans le mur. Donc le principe, la solution que la Mishnah nous propose, c'est de mettre, que c'est l'usage de l'époque, de lui mettre une double fosse. Une première fosse de 3 tfachim, 30 cm, une première fosse plus large plutôt, de 60 tfachim, une deuxième fosse de 30 tfachim, de manière à ce que, et après on construit le muret, de manière à ce que lorsqu'elle arrive, si elle peut pas sauter et atteindre le mur, parce que si elle saute, d'abord elle va être obligée d'entrer dans la première fosse. Une fois qu'elle rentre dans la première fosse, elle va peut-être pouvoir sauter, mais elle va plus pouvoir sauter pour atteindre le mur. Elle va forcément sauter et tomber dans la deuxième fosse, et de là-bas elle n'aura plus assez d'élan pour pouvoir grimper sur le mur, et comme ça elle pourra plus rentrer. On l'a esquivé. Donc on refait ça dans les mots maintenant. Vehu mekabel alav mekom agader. Maintenant, celui qui prend donc le champ, dès que tu auras une partie du champ externe, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra que toi tu cèdes une partie de ton champ pour construire ta part de makom agader, la place, le lieu de la barrière, charitz, une fosse, ou ben charitz et la petite fosse, la deuxième petite fosse. D'accord? Et vekama ou charitz. Maintenant, quelle est la taille d'un charitz normal, d'une fosse normale, d'une douve normale? Shisha tfachim, une largeur de 6 tfachim. On ne précise pas la profondeur, je ne sais pas, il y avait peut-être une norme admise. Ou ben charitz, et maintenant le ben charitz, c'est le fils de la fosse, la petite fosse. Alors, shlosha tfachim, il faudra une largeur de 3 tfachim. On fait à présent le bartenora. Mais shamnin benéel, on se rapporte sur la première partie de la Mishnah, lorsqu'on va évaluer la valeur du champ. D'accord, on avait dit qu'il y avait deux manières, soit selon la taille du champ, soit selon la valeur du champ. Alors le Bartonora nous dit Roin hamakom hashamen shebasadeh venotel oto amocher. On regardera d'abord où se trouve la partie grasse, fertile du champ, et celle-ci sera la parcelle que gardera le vendeur. Deyad lokeach ala tartona. Car la main
de l'acheteur et au désavantage. Et donc, contre la valeur de la part de la parcelle du vendeur, contre sa valeur, il donnera à l'acheteur minamakom agarua, de la plus mauvaise partie du champ. Aussi la même valeur que ce que vaut la partie du vendeur. Donc, le Barthénois avait m'expliqué maintenant. Car lorsque le vendeur l'a dit justement la moitié du champ, mon intention était de te dire, je te vends la moitié de la valeur de tout le champ. Et si la taille du champ était de mea ama pour une valeur de 100 ama pour 100 dinars, et qu'il y a dans ce champ une partie super fertile, bien exposée et tout ça, où 30 amas valent déjà la moitié de 50. Asnotlo amocher, le vendeur le prendra. Venoten lokeach shivim amas, il donnera à l'acheteur 70 amot. Il donnera la grande parcelle, mais qui a une valeur, donc qui vaut la moitié, mais qui est moins intéressante. Ça demande beaucoup plus de travail pour obtenir le même rendement. Donc, il donnera à l'acheteur donc 70 amot coudés de la partie moins intéressante, moins fertile. Quel est le partenaire explique. Qu'est-ce que ça peut lui changer finalement? Tu reçois la même valeur. Alors, nafkamine, et la conséquence de ça, c'est que quoi? Des rotse Adam, Bekav Idit, Mishneh Kavin, Ziburit, de manière générale, un homme préfère avoir juste un cave, une mesure de bonne qualité, Mishneh Kavin, Ziburit, plutôt que d'avoir deux cabines de moins bonne qualité. Vafalpi, Shedmeishneh, Shabim, bien que la valeur des deux soit semblable. Ensuite, la deuxième partie de la Mishnah, c'était lorsqu'il lui disait la fameuse phrase, je te vends la moitié qui est dans le sud. Qui est au sud. Alors le partenaire nous explique, la moitié qui est au sud, je te vends. On n'évaluera plus la moitié, on n'évaluera plus toute la valeur du champ pour ensuite te donner la moitié de la valeur. Non, qu'est-ce qu'on fera? On commencera uniquement par évaluer ce que vaut la moitié qui est au sud. Darom, c'est le sud. La moitié qui est au sud, on évalue ce que vaut. Ce que ça vaut. 50 amas du sud, combien elles valent? Et ensuite, et à contre-valeur, à contrepartie de ce que vaut la moitié qui est au sud, le vendeur sera ensuite en droit de lui donner cette valeur-là, les kol ruach, dans n'importe quelle direction du champ, du plus mauvais. De la plus mauvaise qualité de terre qu'il peut avoir dans le champ, d'ailleurs l'okiach à la tartona, car la main de l'acheteur est au désavantage. Veshema chikamarle, et on interprétera la condition posée par le vendeur de cette manière en disant quoi? Mashishave chatsi shebadarom, ce que vaut la moitié qui est au sud, animochar lecha bakar kasheli becholokom shirze, que la valeur de la moitié qui est au sud, je te la vends de mon champ là où tu la trouveras. D'accord? Ensuite, Omekabel Alav, ensuite on avait dit que l'acheteur devra prendre sur lui de céder ensuite une parcelle de son champ pour construire la barrière et les doudouves. Omekabel Alav Alokeach, l'acheteur prend sur lui de la tête makom bechati sade zo, de donner la moitié du champ qu'il a acheté, de donner à partir de la moitié du champ qu'il a acheté. Chez Kana, qu'il a acheté, la sot geder, vecharitz ou betharitz, de construire la barrière, la fosse et la petite fosse. Tarvayu achore agader, chez Marcelin, le Vatonora nous explique comment on construisait ces trois éléments. Alors, derrière, les deux fosses sont construites achore agader, mibachutz, à l'extérieur du champ, derrière la barrière. Afin qu'il n'y ait pas. Intéressant, j'avais lu que c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la mangouste, je ne sais pas d'où je l'ai tiré. Apparemment, on parle uniquement d'un animal. Bon, c'est pas ça, mais en même. En tout cas, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'animal qui puisse sauter et pénétrer à l'intérieur du champ. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Deïa vitraritz, parce que s'il faisait uniquement une fosse qui est large, Velo Avid Ben Charis, mais il ne faisait pas ensuite la deuxième petite fosse.
Aïde de Charitz Ravach, étant donné que la fosse est large, il y a assez de Sibur Vach, c'est assez large, vaste. Nichneset Betocho, Vekofetset, les malades, Sfato Hacheni. L'animal pourrait facilement entrer à l'intérieur de la fosse, et puis de l'intérieur de la fosse, sauter de l'autre côté. Veya Vid Ben Charitz, et s'il faisait uniquement la petite fosse, Velo Avid Charitz, et il ne faisait pas à côté cette deuxième fosse plus large, alors Aïde de Katin, Kaima Sfata avec Kapsa, étant donné qu'elle est plus étroite, elle peut facilement se tenir au bord, elle a assez d'élan pour courir, et depuis le bord sauter au-dessus de cette de 30 cm, c'est rien du tout pour elle. Tefach Kama Ben Charitz, le Ben Charitz, Tefach maintenant. Entre les deux fosses, combien faut-il laisser? Un Tefach, donc en fait ça fait l'équivalent de 3 plus 1 plus 6, 10 Tefachim, où il y a une fosse de manière à ce qu'on aucun animal. Ouais, c'est comme si en réalité, autour de la barrière, on laissait un espace de 10 Tefachim, l'équivalent de 90 cm, qui sont creusés de manière à ce qu'un animal moyen ne puisse pas se tenir d'un côté et sauter et atteindre le mur, et qu'il n'a aucun moyen d'atteindre le mur finalement. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.